Amen. 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 Je vais le laisser d'abord se présenter, parce que c'est une joie pour nous de l'avoir ici. C'est un frère qu'on a eu beaucoup, qu'on s'est beaucoup eu au téléphone. Dieu l'a utilisé réellement beaucoup dans le travail missionnaire en Algérie. Et j'aimerais qu'il puisse se présenter à l'église. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être qu'ils soient mon traducteur aujourd'hui. Merci. Bah, moi, c'est Mahmoud Yahou. Donc, je suis converti en 93, c'est-à-dire en 93, parce que maintenant, je suis en Suisse. Donc, 93, ça se voit qu'il est suisse. Donc, je suis marié, deux enfants. Dieu m'a utilisé beaucoup dans la délivrance, la guérison, l'implantation d'église. Maintenant, ça fait 16 mois que je suis là, en Suisse. Parce que je crois que Dieu nous a appelés. Nous aussi, on a un petit groupe, Taïmoulou était hier avec moi, avec les Arabes. Donc, je partage avec le pasteur. En même temps, je suis invité dans d'autres églises à partager la parole de Dieu. Nous aussi, connaissons l'église, donc, grande église de 700 membres. Voilà. Voilà. Et d'autres, par exemple, une dizaine d'églises. Mais si on agit, c'est-à-dire, j'ai implanté plusieurs églises. Je peux dire une quinzaine, même plus. Moi, c'est-à-dire, lorsque je suis rentré là, je crois que Dieu m'a dit cette parole. C'est les petites choses qui vont devenir grandes. Amen. 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 Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir la porte. Amen. Amen. La porte pour les prophètes qui puissent venir. Souvent, j'ai commencé comme ça des groupes, 5, 6, 10, 12. On a atteint 300, 400 personnes. Amen. Amen. Donc, Amen. Je vous encourage à tout le faire. Et le Seigneur va faire des grandes choses. Amen. 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 Acclamez pour le Seigneur. Amen. C'est une joie pour nous de l'avoir ici aujourd'hui. Amen. 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 Des hommes qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, la Bible nous dit, priez le Maître qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et quand des ouvriers fidèles se sont levés et se lèvent, alors le Seigneur est heureux quand ses ouvriers peuvent travailler ensemble d'accord à d'accord. Amen. 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 Et nous croyons vraiment. Nous croyons vraiment au réveil de la nation. Amen. Amen. Nous croyons vraiment que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Amen. Parce que Dieu, il est toujours sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Excusez-moi, je règle juste le micro. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous n'avons pas encore commencé à prêcher. Nous amenons seulement les peuples de Dieu dans les niveaux que Dieu veut l'emmener. Amen. Et le pasteur de l'église, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Mahmoud. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et si nous commençons à comprendre cette directive, alors nous allons comprendre ce que Dieu veut. Parce que nous avons pu voir ensemble vendredi que le Saint-Esprit veut amener une nouvelle révélation que l'Église n'a pas encore entendue. Il y a des mystères qui ont été cachés depuis la nuit de temps pour nous aujourd'hui. Et ces mystères, c'est pour que nous puissions les saisir. Et nous sommes la génération du mystère. La génération de la révélation. Jusqu'à présent, l'Église a eu une certaine partie de révélation. Mais nous sommes une nouvelle génération qui nous levons. Une génération de révélation. La Bible nous dit que les enfants d'Israël dans le désert ont connu la première révélation de Dieu. Ils ont vu le feu. Mais la Bible me dit, ils n'ont jamais vu le temple de Dieu à Jérusalem. Ils n'ont jamais vu les mystères qui étaient cachés dans le pays d'Israël. Et
des mots d'Israël. Ils sont morts sans rien avoir vu. Moutin blam ouelen ou haït adimim blam ouelen. La Bible dit que la génération de Josué et Caleb sont entrés dans le pays promis. Ils ont commencé à voir les révélations que leur père attendait. Un pays dans lequel coule le lait et le miel. Un pays dans lequel la révélation était fraîche. Où il y avait quelque chose de bon. Et ils ont commencé à connaître ça. Et plus les générations passaient, ils ont commencé à voir le temple de Dieu à Jérusalem. Un endroit où le nom de Dieu était invoqué. Amen. Et la Bible nous dit que tous les hommes qui sont morts, qui nous ont précédés, attendent avec force le retour glorieux de Jésus-Christ dans lequel nous allons voir le temple de Dieu dans le trône éternel. Et tant que nous n'avons pas vu ça, les morts soupirent après ça. Ils sont dans un lieu de repos. Mais ils soupirent après ça. La Bible nous dit que la création tout entière soupire à la gloire et aux merveilles de Dieu. Et nous avons vu ensemble vendredi qu'il était important de demander la grâce de Dieu continuellement et journalièrement sur nos vies. Parce que quand la grâce de Dieu est activée sur ta vie, le ciel est ouvert. Et il y a le ciel et la terre qui sont en communion. Et comme le ciel et la terre sont en communion, parce que le royaume de Dieu est en vous. Et le royaume de Dieu est dans le ciel. Et quand les deux sont unis dans le ciel, toutes les puissances des ténèbres qui sont au deuxième ciel sont ébranlées. Et nous croyons que dans cette nation, toutes les puissances des ténèbres sont ébranlées dans le nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus a depuis plus de 2000 ans la croix de Golgotha. La chose qu'il te demande, c'est que la grâce soit maintenue sur ta vie. Nous avons vu que la grâce amène l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus amène la communion réelle avec le Saint-Esprit. Et si nous ne comprenons pas cela, si nous oublions chaque jour de nous revêtir de la grâce de Dieu, l'amour pour Jésus-Christ disparaîtra. Et la communion avec le Saint-Esprit disparaît. C'est pour cela que la Bible me dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Parce que l'amour d'un plus grand homme se sera refroidi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la signature de Dieu sur la terre. Votre Dieu, le Saint-Esprit a révélé un mystère. D'avoir la signature de Dieu sur ta vie. Un document qui n'est pas signé par son propriétaire n'a aucune valeur. De même, un être humain sans la grâce de Dieu, sans la signature de la grâce de Dieu sur sa vie, n'a aucune valeur. Et si nous voulons hériter le salut, nous avons besoin de cette grâce et de cette signature de Dieu sur nos vies. Amen. 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 Quand nous louons Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais quand nous prions, nous demandons à Dieu la grâce.
Nous demandons à Dieu la grâce. Chaque jour, tu dois demander la grâce. Chaque soir, tu dois demander la grâce. Je l'ai déjà dit vendredi. Quand tu manges, tu demandes la grâce à Dieu pour des patates et des carottes. Et chaque fois que tu manges, tu vas demander à Dieu la grâce pour le lait, pour les patates, les carottes, ce que tu vas manger. Alors toi, tu n'as pas plus de valeur qu'une patate ou une carotte pour demander la grâce sur ta vie? La grâce demandée sur la vie chaque jour va rendre le diable impuissant contre ta vie. Chaque jour, nous sommes confrontés à des convoitises, à des tentations là où nous sommes. Mais sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il a dit, c'est ni par ta force, ni par ton intelligence. Mais c'est par mon esprit du Seigneur. Mais c'est par mon esprit du Seigneur. Et si nous ne comprenons pas cette dimension, nous n'arriverons jamais à avancer avec Dieu. Nous ferons beaucoup d'efforts. Nous allons prier pour les malades. Prier pour les malades. Chasser les démons. Faire des grandes prédications. Mais on va arriver devant Dieu et Dieu va dire, je ne vous connais pas. Homme qui commettait l'iniquité. C'est pour cela que nous devons comprendre le mystère de la grâce. Parce que la grâce va accomplir toutes ces choses au-delà, indépendamment de ta force. Beaucoup de gens se fatiguent dans l'œuvre de Dieu. Mais ils n'ont pas compris de compter sur la grâce. Et nous devons compter sur la grâce pour vivre. Si demain la grâce de Dieu se retire de ma vie, malgré que je suis un prédicateur, je n'aurai plus aucune valeur à ses yeux. Et si la grâce se retire de ta vie, tu n'auras plus de valeur aux yeux de Dieu. Nous allons lire un livre dans le livre de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, Tashdas. C'est un verset que nous connaissons bien. La Bible nous dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il se réjouit de tout. L'amour ne s'y compte jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons et c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Amen. Je vais m'arrêter là.
Et nous allons voir ensemble le mystère que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. L'apôtre Paul a dit trois choses dans chacune de ses lettres. Que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Vendredi, nous avons pu voir ensemble quelle était la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir quel est le résultat de la grâce de Dieu sur la vie d'un homme. Bien des fois, nous voulons adorer Dieu, louer Dieu. Mais on réalise que dans nos vies, on a des difficultés à le faire. Quand cela se produit dans ta vie ou dans ma vie, tu dois commencer à devenir alerté. Et tu dois te mettre à genoux. Et dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Mais j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu renouvelles ta grâce. Parce que quand tu n'arrives pas à adorer Dieu, c'est le symbole que je n'ai pas demandé la grâce de Dieu sur ma vie. Et alors par tes forces, tu vas essayer d'y arriver. Par ton intelligence, tu vas essayer d'y arriver. Parce que tu sais que Dieu existe. Mais tu vas pas y arriver. Parce qu'il a dit, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence. Mais c'est par mon esprit pour que tu comprennes que ce n'est pas de celui qui veut, mais c'est de celui que Dieu a donné la grâce. Quand nous commençons à comprendre cela, nous commençons à comprendre que sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Toute ta connaissance, toute ta théologie ne peut rien faire si tu n'as pas la grâce. Sans la grâce, tu ne peux rien faire. Et j'aimerais le dire ce matin, que chaque jour tu réclames cette grâce. Comme cette femme qui est venue chez le juge unique qui n'avait égard pour personne. Et tu dis, Seigneur, je veux ta grâce. Et j'aimerais te dire une chose. Quand la grâce de Dieu se déverse sur ta vie, tu n'as pas besoin de chercher à chanter ou à adorer. Mais tout d'un coup, ton cœur dit Alléluia. Alléluia. Tu commences à marcher, tu commences à être heureux, tu commences à adorer. Parce qu'il y a un mystère. La grâce libère l'amour. La grâce libère l'amour. Amen. Et si nous ne comprenons pas ça, même si on a la foi pour déplacer les montagnes, même si on a tous les dons, même si on a toute la connaissance, c'est une symbole qui retentit des reins. Amen. Nous avons besoin de comprendre cette réalité. Et après, j'aimerais te dire que tu ne demanderas plus jamais à Dieu pourquoi je n'arrive pas à t'adorer. Parce que tu vas comprendre que cela ne dépend pas de toi, mais que cela dépend de la grâce de Dieu sur ta vie. Mais ensuite, il y a un deuxième niveau. Et le deuxième niveau est le niveau de l'amour. Quand Dieu déverse son amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est ce temps où tu vois que tu arrives à adorer sans faire d'efforts. Mais à ce moment-là, c'est à toi de continuer. Le Saint-Esprit a mis l'amour dans ton cœur. Ton cœur est plein d'amour. Jésus. Et c'est à toi de commencer à adorer. Il te donne le début. Mais il attend que tu continues. La Bible me dit alors que les anciens d'Israël étaient devant Moïse.
Moïse avait choisi beaucoup d'anciens. Et les a amenés, il a dit, vous allez venir avec moi, on va aller à la montagne du Saint. Et quand nous sommes à la montagne du Saint, la gloire du Shekinah va descendre. Et quand la gloire descendra, vous allez commencer à prophétiser. La Bible nous dit, tous les anciens étaient là. Il y en avait juste deux qui sont restés dans le camp. Et Moïse est monté un peu plus haut. Et à ce moment-là, la gloire, la Shekinah est descendue. Et ils ont tous commencé à prophétiser. Et les deux qui étaient inscrits mais qui n'étaient pas venus, qui étaient dans le camp, ont également commencé à prophétiser au même instant, au même moment. Cela ne dépendait pas de la volonté. Cela dépendait de la grâce parce qu'ils étaient inscrits. Quand nous demandons à Dieu la grâce, nous nous inscrivons dans sa main. Et parce que nous sommes inscrits dans sa main, il peut nous utiliser comme il le veut. À ce moment-là, quelque chose de particulier s'est passé. Josué qui était à côté de Moïse, il lui a dit, ceux-là qui sont dans le camp, c'est eux, ils sont en train de prophétiser. Et Moïse l'a regardé. Il a dit, serais-tu jaloux? Mais que le peuple entier soit fait de prophétiser. Moïse a commencé à prophétiser. Sur les temps nouveaux de l'esprit qui viendrait. Que la nation entière commence à prophétiser. Elle commence à déclarer la grandeur et les merveilles de Dieu. Mais l'ironie de cette histoire, c'est que très peu ont continué. Beaucoup se sont arrêtés. Les trois quarts se sont arrêtés. Il y en avait un petit groupe qui ont continué. Et c'est là que devient l'élection de la grâce. L'élection de la grâce. Quand Dieu commence à mettre quelque chose dans ton cœur, n'arrête pas cette grâce. Ne l'arrête pas. Parce que le Saint-Esprit a déposé l'amour pour Jésus dans ton cœur. Et tu as senti ce commencement, ce jaillissement de joie dans ton cœur. Mais le Saint-Esprit veut t'interpeller ce matin et te dit, ne t'arrête pas quand ça commence. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, c'est toi qui bloques la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Tu vas commencer à continuer. Parce que quand tu continues, quelque chose de particulier se passe. Le Saint-Esprit commence à te regarder. Et il te dit, j'ai quelque chose de particulier avec lui. Il adore Jésus. Il est celui que j'aime. Alors je vais avoir une communion intime avec lui. Et je vais lui révéler des choses cachées. Je vais commencer à devenir son ami. Mais Dieu te demande de continuer. Et Dieu te demande de persévérer. Parce qu'il dira la chose la plus importante. C'est l'amour. Et si tu n'as plus l'amour de ta vie, alors tu deviendras sec. Tu ne pourras plus avancer. Peu importe qui tu peux être. Peu importe ce que tu as pu faire pour Dieu. Dieu ne regardera pas sur ça. Mais Dieu regardera sur toutes les fois que tu as continué à alimenter la grâce qu'il a mise dans ton cœur. Amen. Amen. C'est réellement quelque chose d'important. Et je sens vraiment que le Saint-Esprit veut que nous enseignions sur cela à l'Église.
Peu importe les dons que tu as reçus devant Dieu. Tu es obligé de mettre cela en pratique. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois mettre cela en pratique. Amen. Amen. Nous avons vu dimanche dernier combien il était important d'être une équipe. Premièrement, d'être une équipe avec Dieu. Parce que quand nous faisons une équipe et que nous avons un même cœur avec Dieu, le sang de Jésus te purifie premièrement toi-même de tous tes péchés. Ensuite, tu dois être une équipe avec ton foyer. Et quand tu es une équipe, le sang de Jésus purifie de tes péchés. Quand tu commences à être une équipe avec tes enfants, le sang de Jésus purifie de tout péché. Si tu commences à être une équipe avec ton frère et ta soeur de l'église, et que l'église devienne une équipe, le sang de Jésus purifie tout péché. Et si un pays devient une équipe avec l'église, le sang de Jésus purifie toute une nation. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre ça. Parce que si nous invoquons le sang de Jésus et nous sommes un groupe, mais qu'il n'y a pas d'unité, qu'on ne soit pas une équipe, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu veut qu'il y ait un esprit d'équipe. C'est quand on se réunit. C'est quand vous serez unis que le monde sera que vous êtes mes enfants. Sera que vous êtes mes enfants. Amen. Amen. Alors marchons comme une équipe. Et durant toutes ces semaines, nous avons pu voir qu'est-ce que c'était le travail d'une équipe. De devenir vrai les uns vers les autres. De devenir vrai avec Dieu. Et d'être des bonhommes sur la terre. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont vrais. Parce que l'évangile consiste sur la vérité et non sur le mensonge. L'évangile consiste sur l'honnêteté et non la malhonnêteté. Et Dieu veut que nous soyons des modèles. Amen. Le monde nous apprend à avoir des masques. Avoir des masques, à mentir quand nous n'aimons pas quelque chose pour plaisir aux gens. Mais Dieu veut t'apprendre à dire la vérité et à ne pas mentir pour faire plaisir aux gens. Parce que la Bible nous dit l'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Et de la même manière, nous devons être vrais avec Dieu. Dieu n'attend pas de toi une prière religieuse. Mais Dieu attend de toi que tu sois vrai avec lui. Je l'ai déjà dit lors d'une précédente culte. Dieu recherche sur toute la surface de l'humanité un homme, une femme qui est vrai avec lui. Dieu ne cherche pas la piété ou l'action religieuse. Dieu ne cherche pas les hypocrites. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts avec lui. Alors laisse tomber toutes tes prières évangéliques, charismatiques, pentecôtistes que tu as appris. Et commence à parler de cœur à cœur avec Dieu. Commence à devenir un poète comme David. Commence à poétiser avec Dieu. Amen. Et Dieu, tu vas commencer à toucher son cœur. Vous savez, Dieu nous a touchés. Dieu nous a appelés. Il a touché nos cœurs. Nous avons pleuré devant lui. Mais combien de fois l'as-tu fait pleurer?
Je te demande pas de le faire pleurer par tes manquements et par tes péchés devant lui. Mais combien de fois l'as-tu fait pleurer de joie? Où tu as commencé à toucher son cœur. Et que la grâce a surabondé dans ta vie. Tu peux faire surabonder ta grâce ou la détruire. Si tu commences à toucher le cœur de Dieu, alors la grâce surabonde. Il a dit, celui qui porte les fruits portera encore plus de fruits. Mais celui qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Et il est jeté dans le feu éternel. Il entend les frères et sœurs de notre salut. Il entend de notre salut. Et si nous parlons aussi clair, aussi direct, c'est pour que ton intelligence comprenne, pour que ton esprit comprenne la gravité du temps dans lequel nous sommes. La Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Et que pendant qu'il revient, le Saint-Esprit prépare l'épouse de Christ. Une épouse sans tache ni ride. Il est en train d'enlever tout ce qui était moche à l'église. Et l'église doit comprendre ce message. L'église doit comprendre ce message. Et quand nous comprenons ce message, le Saint-Esprit te dira comme il a dit à Paul. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est alors que tu es faible. Tu peux dire que je suis fort. C'est alors que tu crois que tu es pauvre. Que tu peux dire que je suis riche. Ce n'est pas de la folie. Mais c'est la cause de la grâce. C'est à cause de la grâce. L'apôtre Paul a enseigné dans divers domaines cette sagesse qui vient seulement d'en haut. Et déjà l'église, à l'époque, il y a 2000 ans, ne comprenait pas ce message. Alors bien souvent, il disait, mais pourquoi êtes-vous devenu tellement lent à comprendre? Et il est continué à les enseigner. Et c'est pour cela que vous recevez cet enseignement. Parce que je crois que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il veut continuer à amener le peuple dans cette dimension. J'aimerais vous dire pourquoi. Et c'est une parole que Dieu a mise dans mon cœur. Et je crois que c'est une parole qui va découler de tout le réveil. Il a dit quand Nathanaël ou Philippe est venu vers lui, désormais je vous le dis, vous verrez les anges monter et descendre du ciel. Et le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Nous l'avons vu ensemble vendredi. Ce qui empêche l'être humain de voir le trône de Dieu avec Jésus assis à sa droite. C'est le deuxième ciel qui est sur la terre. Là où il y a tous les pouvoirs, les dominations, les puissances, les autorités et les esprits du mal qui sont sur la terre dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour qu'ils ne croient pas. Mais quand tu commences à devenir un avec Dieu, quand une église commence à devenir un et un avec Dieu, à ce moment-là, ce qui empêchait les hommes de voir le ciel et la gloire de Dieu est brisé par le pouvoir de l'humilité. Et quand cela s'est produit, nous commençons à voir
Les anges montent et descendent. Moi je vais vous dire une chose. Les gens vont venir à l'église parce qu'ils vont commencer à voir les anges montés. Ils vont voir le fils de l'homme assis à la droite. Étienne avait compris. Et alors qu'il était en train d'être lapidé, il y a une percée dans le ciel. Cette percée a tellement été grande que lui l'a vu. Mais que quelques jours après, Paul l'a vu. Paul a été converti par une lumière puissante. Et il m'a dit, mais Seigneur, qui es-tu? Il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Et je crois dans mon cœur que nous allons vivre et expérimenter. Nous avons déjà commencé à l'expérimenter, mais nous allons encore l'expérimenter. Nous allons encore l'expérimenter. Et nous allons voir les anges monter et descendre. Pour nous, ça sera normal. Mais les gens du monde vont venir. Les caméras télévisées vont venir. Parce qu'ils vont voir un phénomène qu'ils ne comprennent pas. Les hommes politiques vont venir. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Mais nous le savons. Parce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Le Saint-Esprit nous a enseigné. Amen. Et nous déclarons que nous sommes une nation de réveil. Amen. Cette terre de France n'est pas une terre maudite comme beaucoup le disent. Ne sera pas une nation donnée à une religion comme le monde le dit. Mais cette nation sera une nation de réveil où la gloire de Dieu explosera sur toute la surface de la terre. Mais c'est la fin de la gloire. Et ils allaient démonter dans le ciel. Sur la terre, alors Isaïe avait une vision mauvaise. Il était un prophète de malheur parce qu'il croyait que les gens, parce qu'ils ne savent pas Dieu, Dieu n'était pas sur la surface de la terre. Mais la Bible me dit que quand il a été enlevé de la gloire, il a vu les séraphins qui couvraient la gloire de Dieu et qui était en train de se balancer sur le rythme des chants, des chérubins. Et il disait d'une voix forte, ça est l'éternel. La terre est remplie de sa gloire. À l'époque, il y avait des meurtres comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait autant de violence comme aujourd'hui. Mais les séraphins disaient, la terre est remplie de sa gloire comme l'eau couvre le fond des mers. Et là, Isaïe fut traumatisé de ce qu'il voyait. Il a dit, je croyais que Dieu n'était pas sur terre. Alors il s'est mis à genoux. Et il a dit, Seigneur, j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres mal habiles. Et c'est moi-même des lèvres qui sont impures. Et la Bible nous dit, alors j'ai venu. A pris les braises qui étaient sur l'autel. Il demande que les sont il a tous ses élèves. Comme ça. A qui ça, c'est un micro. Ok, c'est un micro. Mais là-bas, il a pris les braises. On a l'air qu'il loin d'où le drap est râle. Et ça a touché ses élèves. Et il lui a dit sois pur. Il est juste faux. Il a une importance. Et ça, c'est blé. C'est quand, ça, tout, quand la parole de Dieu touche notre bouche. Que ça purifie tout notre être. La braise ne lui a pas touché l'oreille. La braise ne lui a pas brûlé les yeux. La braise ne lui a pas brûlé ses pieds.
mais la graisse doit toucher sa bouche. C'est pour cela qu'il est important de dire la Bible à haute voix. Parce que quand tu commences à dire la Bible à haute voix, c'est la parole qui touche tes lèvres et tu dis, sois pur. Amen. Amen. Et la Bible nous dit quand il est redescendu de la gloire. Ah oui, c'est la sur des ménages. Il a dit la vieille soit enfantée. Il a dit l'esprit de l'Éternel sur moi termine ma main. Il a commencé à parler, à décréter le réveil des nations. Voici dans les derniers jours, je répandrai, dit Dieu, mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards des songes. Et sur les serviteurs, mais ça va, je ferai les flammes de feu. Amen. Amen. C'est une réalité. Il a été impacté d'une mentalité nouvelle. Pour déclarer le réveil de la nation. Et quand nous prêchons l'évangile avec une vieille mentalité, ce ne sont pas les prédicateurs de bonnes nouvelles, mais les prédicateurs de malheur. Les temps sont durs, les gens sont durs. Oh, les Français ne veulent pas entendre l'évangile. Arrête tes prédications de malheur. Commence à prêcher le réveil. Parce que je déclare que dans cette nation, c'est une terre bénie. Tout lieu que foule la plante de mon pied est une terre bénie. Et je refuse la malédiction sur ma nation. Sur le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de présidentiel. J'aimerais le déclarer sur les autres. J'aimerais le déclarer dans l'église. Peu importe l'homme qui sortira, nous déclarons qu'il n'y aura pas de malédiction dans cette nation. Et que toute loi unique ne sera pas. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné une autorité sur la terre et dans les cieux. Il a dit tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délis sur la terre sera délié dans le ciel. Alors je délis dans cette nation de France en cet instant. Et toute voix unique. Je les lis maintenant. Et je brise toute autorité. Et je proclame la vie de Dieu. Écoute bien cela. Parce que tu verras que pendant tout le mandat, les lois uniques sont rencontrées les unes derrière les autres. Les lois uniques sont rencontrées les unes derrière les autres. Parce que nous avons déclaré une parole de foi. Et il y a un jour est venu. Il est venu chez Akab. Il a dit à cause de ta conduite illégitime. C'est pas Dieu qui te le dit, mais moi, je vais prier et le ciel va se fermer pendant 3 ans. Et la Bible nous dit c'est ce qui s'est produit. Un tel point qu'Akab a voulu commencer à chercher Élie pour le tuer. Et quand il est tombé sur Élie, Élie lui a dit, écoute bien. Maintenant tu vas voir la pluie qui va tomber, tu sauras qu'il y a un Dieu en Israël. Et cette déclaration que nous avons faite aujourd'hui, c'est pour que toi et tout le gouvernement français et toutes les nations de ce pays, sachent qu'il y a un Dieu dans cette nation, on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Personne ne peut venir contre lui. Aucune puissance. Aucun pouvoir.
ont une domination. Parce que le Dieu sur terre et dans le ciel. Elle glorifie le nom de Jésus. Elle glorifie le Père. Elle t'a amené dans le cœur de l'Église à l'amour nouveau pour Dieu. Mais maintenant, il t'enseigne pour que tu continues. Amen. Il t'enseigne pour que tu continues. Il te donne une clé ce matin. C'est à toi de savoir ce que tu vas faire avec cette clé. C'est à toi de savoir ce que tu vas pouvoir faire avec cette clé. Jésus a donné une histoire. Où un homme a donné plusieurs talents à plusieurs personnes. Le dernier, il a donné un talent. Et ce dernier l'a enterré. Et quand il l'a enterré, quand le maître était de retour, il l'a déterré. Le maître lui a dit, mais pourquoi tu ne me redonnes qu'un talent ? Il a dit, je savais que tu es un maître dur. Et je l'ai caché. Pour ne pas le perdre. Et le maître lui dit, je vais pomper ce talent. T'aurais dû au moins aller à une pompe pour qu'il se multiplie. Et je vais donner à celui qui a 10. Mes amis, aujourd'hui, Dieu t'a donné une clé. Dieu, ce matin, t'a donné une clé. Je ne parle pas d'un don, je te parle d'une clé. La clé de toi, de la porte de ton salut. Le salut, nous l'avons reçu gratuitement par grâce. Mais la Bible nous dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et Dieu te donne une clé. Et cette clé que tu reçois ce matin, c'est la clé de la persévérance. La clé dans laquelle tu ne peux pas compter sur ta force. Tu ne peux pas compter sur tous les acquis, sur tout ce que Dieu t'a déjà appris. Mais que tu comptes sur la grâce de Dieu. Et alors, c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à l'église de Galate. Pourquoi, après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Parce que l'église de Galate a commencé par l'esprit parce qu'elle n'avait aucune connaissance. Mais arrivé à une certaine connaissance, ils sont restés sur la raquille. Et tout d'un coup, ils ne comptaient plus sur la grâce, mais ils comptaient sur les révélations déjà passées. Mon cher ami prédicateur de l'évangile, si ta révélation ne change plus et tu n'as plus de nouvelles révélations dans ton ministère, c'est un signe qui prouve que tu ne marches plus par la grâce, mais que tu marches sur tes acquis. Parce que Dieu donne toujours une révélation nouvelle à ceux et celles qui décident de marcher par la grâce. C'est pas toujours facile de marcher par la grâce. Parce que quand tu marches par la grâce, tu laisses de côté tout ce que tu as appris jusqu'à présent. Peu importe les bonnes choses que tu as apprises, tu les laisses de côté. Et tu dis, Seigneur, je veux apprendre encore. De nouveau et de nouveau. La Bible me dit, je fais quelque chose de nouveau. Et c'est sur le point d'arriver. Une chose que l'œil n'a pas vue. Une chose que l'oreille n'a pas entendue. Et j'aimerais te dire que si nous continuons à marcher avec la grâce, la révélation va être toujours plus grande. Des fois, les gens viennent me voir et me disent, mais ce que tu prêches, je n'ai jamais lu dans la Bible. Je lui dis, c'est normal, tu restes sur les acquis. Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra. Il vous enseignera toutes les autres choses que je n'ai pas pu vous enseigner. Si quelqu'un dit amen.
Une révélation nouvelle du mec qui vient du ciel. Parce que le Père et Jésus ne se taisent pas. Mais ça fait 2000 ans qu'ils parlent dans le ciel ensemble. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous faire entendre ce qu'il a entendu du Père et du Fils. Alors je vais vous dire quelque chose. Ça fait 2000 ans qu'il y a continuellement des nouvelles révélations. C'est même j'ai fait des cultes pendant 365 jours. On ne peut pas rattraper 2000 ans de conversation. 2000 ans de conversation. Alors si tu veux savoir jusqu'à où va aller la révélation, alors il y a ton frère et ta soeur de 8 non limites. Il n'y a plus de limites. Il n'y a pas de limite pour la révélation. Et moi-même, je vois que je commence à laisser la grâce agir. Après chaque culte, je suis choqué. Et je dis au Saint-Esprit, je croyais que ça arrive à la fin. Mais une nouvelle révélation est tombée. Et quelque chose de frais, quelque chose de bon. Alors retiens cela dans ton esprit. 2000 ans de conversation. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Est-ce que tu arrives à te rappeler de un an de conversation que tu as eu dans ta famille? Est-ce que tu arrives à te rappeler? Personne n'arrive à se rappeler. Alors imagine 2000 ans de conversation. Le Père est assis sur son trône. Et où Jésus est à sa droite. Et il parle depuis 2000 ans. Des mystères et des choses qui veulent. C'est ça la révélation de l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement une révélation d'une association dans laquelle on se réunit et on dit voilà, Jésus est mort il y a 2000 ans. Ou on dit seulement Dieu est amour et Dieu vous bénit. Et on prend les versets et on les lit comme s'ils étaient un manuscrit sacré. La Bible nous dit la lettre tue. Mais l'Esprit te dit. L'Église veut être un endroit de révélation. Vous savez qu'est-ce que c'était la révélation à l'époque? Vous savez ce que ça voulait dire la prophétie à l'époque? La Bible nous dit alors que tout le peuple était sous la montagne sainte où il y avait le mont Sinaï. Et que la gloire est descendue sur terre. Vous savez quelle était la révélation divine? Mais je vais vous dire ce que c'était la révélation. Il y avait un homme qui avait bien volé. Et qui était là dans cette gloire. Et tout d'un coup une parole sort de sa bouche. Tu le voleras point. Tu ne voleras point. Où tu vas faire là? Il y avait celui qui aimait faire l'adultère. Tout d'un coup, une parole sort de sa bouche. Tu ne convoiteras point. Et ça a continué. Les lois commencent à sortir de partout. La révélation de Dieu commence à sortir. Et la Bible nous dit que la révélation était telle que tous les peuples s'est parlé en courant. Ils sont allés chez Moïse. Il lui a dit que Dieu ne nous parle plus. Mais tu parles à toi. Au moins on pourra savoir si nous on veut le faire ou on ne veut pas le faire. Parce que s'il continue à nous parler, on va mourir. J'aimerais vous dire que Dieu ne tue pas si. Le peuple était
aveuglé par le diable. Le diable, le diable leur a dit, tu vas mourir si Dieu continue à te parler. Et de la même manière, le diable vient, tu vas te perdre si tu continues à entendre ces révélations qu'on ne sait pas d'où ils sortent. Par les bons religieux. Ce sont les religieux qui ont dit à Jésus, mais tu es un blasphémateur. Je veux vous dire que les religieux n'ont pas changé. Le diable a toujours les mêmes stratégies. Parce que son cerveau a été endommagé quand Jésus lui a écrasé la tête. Et c'est pour cela qu'il est fou. Mais nous qui avons la révélation dans nous, marchons comme des hommes dignes de la révélation. Pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit pour ton message. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci que tu accompagnes la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Merci que cette parole produit du fruit digne de la repentance maintenant dans les cœurs. Et que Seigneur, quand ta grâce se manifeste dans la vie de ton peuple, que ton peuple sache qu'il doit continuer pour avoir une nouvelle communauté. Je bénis ton peuple et je déclare ta grâce et ta faveur sur ton peuple. Je bénis chaque personne qui sont venues de loin et je déclare ta bénédiction. Là, je déclare, je bénis aussi ton serviteur qui est venu dans ce lieu. Seigneur, il est venu de loin. Et je te demande de le bénir. Que toutes les écluses du ciel sont ouvertes dans sa vie. Et que tu te souviens de tout le travail qu'il a fait pour toi. Comme tu t'es souvenu d'Abraham. Tu te souviens aussi de mon frère Mahmoud. Je te souviens de toute l'église. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.